vérifier. Bon, normalement, on nous entend bien. Tiens, je veux que tu m'aies continué. Je vais vérifier quand même. Mais je sais plus ce que je disais. Ouais, donc continue, vas-y. En fait, tu peux le tirer. Puis il y a du monde. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, la blondasse, elle est en vie. Je vérifie justement. Ouais, parce qu'apparemment le Twitch s'est lancé, mais quand même, je vais vérifier. Ouais. Juste vérifier le son, c'est bon. Oula. Le micro, il a un problème. Attends. Non, il y a un sifflement, c'est bizarre. Ah, attends, je sais. Non, c'est peut-être ça. Même pas. Non, t'as peut-être raison. Faut peut-être mettre le cache son. Faut peut-être mettre le cache son. 1, 2, 3, 4. Non, mais attends, peut-être ça. 5, 6, 7, 8. Tu penses faire tous les numéros. Sinon je vais changer de micro, simplement j'en ai un autre.
que ça va être ça. Je crois que ça va être ça. Ouais. Ouais, on va diminuer. Et bah c'est bon. Ouais, en fait, t'avais raison. Faut diminuer le volume d'entrée. Bah oui. C'est toi les setups PC, c'est pas moi. Voilà. Et en plus, t'as les chargés. Nickel. Bon, ça c'est bon. Donc on était que la blondasse. Ouais, t'es tombé quelque part. Ouais. C'est parti. Ouais, ouais, ouais. Bonjour mademoiselle. Ravi de faire votre connaissance. Pour la situation est quelque peu préoccupante, mais pas ingérable. Mais les pieds à poil. Ça, si on l'avait pas fait tomber à l'eau, on l'aurait à poil. Pourquoi les pieds nus? Parce que c'est fait kidnapper dans le chalet. Ah oui, c'est bon. C'est pas vrai. Bon, tu prends parce que t'as pas le choix. D'où ça sort, ça? Écoute, il y a des mineurs. Ah, remarque, non, le Wendigo, tu as plein de gens. Tu es bête, tu peux dresser. Bah, vu l'état de la veste. Ouais, l'état de la veste. Je t'attends? Allez, vite, on se dépêche, on doit trouver Mike. Allez! Moi, je commence à boiter un peu, là. Je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Bah, on va pas te laisser tout seul, frérot. Merde, Chris, est-ce que ça va aller? Ouais, ouais. Ah, allez-y. Putain, ça aussi, c'est notre partie con. Je... Attends. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, ok. Écoute, t'as oublié qu'ils sont partis sans armes? D'accord. Ah oui, c'est vrai. Faut prévenir Mike, je serai juste derrière vous. Et les revolvers qu'ils avaient posés sur la table, oui. Ouais. D'accord. Te souviens-tu de... Te souviens-tu du fait qu'ils sont partis sans armes? Tant quoi? On l'a abandonné? Non, je crois qu'il fait une pause. Mais... Bah vas-y au pire. Mais frère, non, c'est allumé, vas-y, tu peux y aller. Non, tu restes avec nous. Non, mais va avec lui, tu vas voir, je crois que tu peux parler normalement, s'il y a une interaction comme ça. Bouge ton cul et... Oui. Non, et on t'abandonne pas. On reste tous ensemble. Bah oui, on t'abandonne Mike pas. Mike attendra alors un peu. Tu te dépêches. Ouais. Amit, pas grave, tu boites, vas-y. Tu vas sur mon épaule et puis basta. Ah mais attends, c'est plutôt lui qui est censé la soulever à la base. Non mais c'est bon, tu peux aider quelqu'un à marcher. Ouais. Par contre, ouais, vous... Eh oh, Roger, Martin. Ouais. En général, c'est des plans où t'as un truc qui va se déplacer, genre en mode alien. Ah, d'ici 5 secondes, oui, il y aura forcément quelque chose qui va passer. Je crois même pas, parce que les mecs ils ont tellement pompé sur tout ce qu'ils pouvaient que je crois pas du tout. Il y a des plans qui servent à rien. Il est avec moi? Ah, il est avec toi. Le caméraman. Ah mais le caméraman là il était à l'ouest. C'est le caméraman. Ah, il est stylé mais non. Hein? Si et si je me baisse par terre. Non. Mais si je me baisse par terre, vous aurez un plan un peu. Peut-être en partie débulé. Jogging, ah je le ferai pas. Ah, ouais. Et elle était venue qu'avec ça hein, comme vêtement de rechange. Moi je vais quelque part où il fait moins 10 degrés, un truc comme ça, je prends je vais pas en jogging. Bougez-vous. Ça. Est-ce qu'on essaye? Bah, c'est pas comme si on avait beaucoup de choix, hein. Oui, c'est quoi? Une besoin que... Heureusement qu'il y avait une barre de fer à côté qui rentre. Ah, j'ai cru qu'il y avait une main qui avait sauvé le truc en bas. Le jour, j'ai cherché mes oui, mais attends, je suis en train de me poser une question. Lui, il est pas passé par là ça, comme ça. C'est sûrement le dernier endroit. Le mec d'avant, parce que là, ils vont récupérer l'autre. Personne n'est passé par là. Et pourquoi ils vont par là? Alors, déjà à la base ils cherchent un mec qui est dans une grotte, normalement. Eux ils veulent aller jusqu'au sanatorium. Mais pourquoi vous descendez les gars? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, j'ai pas compris non plus là. Oh, c'est pas grave, vas-y. On y va. C'était mieux que de rester planqué en sous-sol, tu sais. On était plus moins. Parce que tu sais, il faut pas qu'on soit trop en sécurité. Mais c'est pas avec ta lampe de merde sur une lampe frontale. Voilà, bah oui, elle a des matos d'escalade. C'est de la merde. Oui, ça éclaire que dalle. Après, je pense que dans le noir absolu, ça éclaire quand même un peu. Bah un peu quand même, j'espère hein, sinon... C'est mieux que rien du tout, mais non, c'est de la merde. Okay. Ouais. Tu vois à 2 mètres et puis c'est... J'essaie, H. Mais ça va, t'es juste tombé à un moment donné, tu sais, tu t'es pas... Il a la cheville foulée, quoi. Ouais, enfin bon, il peut poser son autre pied.
Il vaudrait mieux qu'on ferme, non? Pourquoi? Vous n'allez pas réussir à ouvrir d'autre côté. Oui, bon, ferme-la, mais là, on doit avancer. On se retrouve plus tard. Il dit de fermer sa gueule ou de fermer le truc? Ouais. Je pense que ça veut dire les deux. Ouais. Mais tu peux le faire avec une main? Oui, pourquoi? Bah, et la barre? Mais non, mais t'as déjà soulevé une bouche d'égout. Oui, avec les deux mains. Oui, mais tu peux la pousser, mais non. Quand même. Oui, ça se pèse son poids, mais en dessous, c'est bon, tu la traînes, c'est bon, ça passe. Ah, les plans de caméra. Ah, oui. Ah mais ils sont pas sans moi, mais vous êtes. Ouais, c'est des. Oh, ouais, non. C'est best ever copain du monde. Ah, vous êtes chiant. Ah, ouais. Ce genre de gens. Après, c'est réaliste. Les gens, c'est des connards, donc ça passe. Ouais, en vrai. Là, il y a un connard de compète. Ils sont partis vachement loin. C'est même pas genre ils ont laissé quelqu'un en arrière, tu sais. Il taille, hein. Voilà. Même le mec qui boit, il taille. Ah oui, alors, je vais te dire quoi faire, je me souviens de ça. Oui, mais il faut y aller. Y'a quelqu'un? Jessica? C'est toi? Vas-y. Suis la voie, tu vas voir, je vais te montrer. Si, si, vas-y. La voie ? Oui, vas-y. La voie, vas-y, suis la voie, tu vas les rattraper, c'est des merdes. Vas-y, parce qu'il faut que tu récupères un totem. C'est mais si vous êtes comme 99%, Jessica. En tout cas, j'espère, de la population, vous ouvrirez pas la trappe. Je te confie. Non, ouais. Je serais parti à Jessica, droite. Bon. Est-ce que t'es là ? Avance. Tu vas voir une trappe. Quand tu vas la voir, tu vas te dire jamais j'ouvre ça. Qu'est-ce que... Quand tu vas voir la trappe, tu vas te dire jamais j'ouvre ça moi. Oh merde. Oh non. Alors non. T'ouvres pas la trappe. Il y a un totem sur le côté normalement. Ouvre pas la trappe. Je suis passé con. Ouais, mais t'imagines, il y en a qui s'imaginent genre que c'est elle là. Bah au fond, il y a un totem normalement. Alors, tu peux ouvrir la trappe. Mais oui, mais qui va ouvrir ça? Oui, oui. Normalement, il y a un totem. Ah bon sang, je suis si heureuse. Et eux, ils entendent pas le truc. Bon, c'est pas grave pour le totem. Mais voilà, tu vois la trappe là? Tu l'ouvres. Ouais. T'as le Wendigo qui t'attrape la tête, qui te chope. Juste là. Mais wow. Genre, y'a personne qui se pose des questions là tu, la trappe à côté qu'on entend encore là. Non, 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 je crois que je peux. Tu l'entends là encore? Bah, attends qu'il a enfermé c'est ça. Oui, mais personne se dit c'est quoi? Je vais continuer. Vous devriez rentrer. Même là, on l'entend encore. Non, mais c'est rien, c'est le bois qui travaille. Les canalisations. Ouais, tu sais. Ah, je crois qu'on retourne du côté de Josh, non? Donc, autant qu'il est pas sorti, ça va. Ouais. Il est où? Wow, des moulins. Ouais, c'est ça, dans une mine sous terre, tu vois, je me suis dit. C'est concept, concept hein. Tu vois, c'est concept. C'est très conceptuel. Ah ouais. Bon, pourquoi pas? Bah, j'ai envie de dire, ouais, tu sais, c'est pas parce que personne le fait que. Aïe. Alors, je sais pas d'où il est tombé pour arriver comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a le Wendigo qui, bon, ça, d'un côté, fracasse la porte là-bas. T'as vu le clip ou pas? Ça durait un demi seconde ou c'était bugué? Si, si. Je pense pas. Non, c'était bugué. Et tout le monde s'en fout, on est déjà repassé à l'autre. Ouais. Faut jamais sauter comme un débile. Bon, en fait, là que tu te presses ou pas, ça change rien. Ah oui. C'est pas. Tu sais, l'autre, il est toujours en train de s'amuser avec ses Wendigo dans le... enflammé. Il est toujours en mode. C'est tranquille. Ouais. Mais moi j'ai une question en fait, je me pose une vraie question. Du coup là, elle, elle avance, elle escalade. On est d'accord. Les autres, ils font quoi? Donc ça servait à quoi qu'ils viennent? Ça a l'air d'être assez énervé. Hein, hein? Enfin, c'est faisable. Ouais, mais voilà quoi, faut avoir des compétences. Une branlée. Je t'ai mis une branlée. Mais du coup, ils sont en bas en fait. Ouais, donc en fait, tu les as. En fait, ils sont venus pour faire la moitié du chemin et repartir. Ok, bon ben. Au revoir, les gars.
C'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Je... Ouais, tu voulais rester du loot. C'est le gros problème de ce jeu. C'est que vraiment, il n'y a pas de cadeau. T'as intérêt à avoir une soluce sous les yeux. Hein. Non, c'est pas grave, il y a... Ça, c'est l'autre qui s'amuse là avec son plan A2, enfin A3. Je me rappelle quand j'ai évité une mine de sel en Allemagne. Il y avait des explosions comme ça. C'était pas très rassurant. Pourquoi avait... fallait faire péter du sel? Bah, ah, en fait, oui, elle est encore bah, en oui. activité. Donc, ah oui. Donc des fois, il faisait péter à la dynamite. Salut. Très impressionnant. On a réglé beaucoup de problèmes là. Déjà des problèmes sonores. Maintenant, on a compris d'où venait le problème sonore. De sorte de tic qui vient du coup de la manette en fait. Ça venait pas du tout. J'aurais pu changer tous les câbles du monde, ça changeait rien. Mais du coup, les autres là, ils ont fait demi-tour. Donc ils ont fait 10 mètres. Non, ils sont comme des cons en fait, ils sont en train d'attendre. Ah, qu'est-ce qu'on fout là? Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Et voilà, bon bah écoutez, notre chemin s'arrête là, on fait demi-tour. Vous n'auriez pas pu me dire avant, putain, je me suis foulé la cheville. Oh bon, bien. Et bah voilà, c'est juste quand il y a buté l'autre là. Eh oh, ça va pas, c'est parce que vous êtes des entités démoniaques, vous pouvez passer comme ça devant les gens. Déjà, je sais pas où ça va, c'est genre. Non, mais déjà, ça passe pas comme ça devant les gens. Oui, déjà. Mal poli. Bon, je peux prendre la pelle s'il vous plaît? En vrai, ouais, faudrait la prendre. Allez, un coup de force. Ce serait pas mal que tu fasses l'effet de levier avec cette pelle. Voilà. C'est un élément de gameplay. QI de 143. C'est vrai, il n'y a même pas un QI de 5 là. Genre, vraiment, allez, c'est parce qu'il n'y avait pas le. Bon, est-ce qu'elle va garder la pelle? Ah bah, t'as ah, bah, garde la pelle, c'est bien ça. Ouais, enfin, pendant combien de temps? L'autre, il avait la hache, il l'a posée, genre normal. La tête. Mais normalement, il n'était pas censé être mort. Mais pourquoi tu fais un nez? Tu veux dire quoi par bien? Mais Roger. Mais Roger, qu'est-ce que tu fais? Il y a des barres de fer partout. Oh bordel, Roger. Roger, regarde, il y a juste là. Attends, t'as des munitions dans ta poche. Regarde à droite. À droite, il y a deux barres de fer. À côté du bidon. Oh bordel. Il y a moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Non, Roger, s'il te plaît. Roger. Putain, ça fait deux games qu'il abandonne. Hein. Et ouais, ça fait trois fois qu'il abandonne une arme, les mecs. Il a abandonné le fusil de chasse. Ouais, ouais. Il a abandonné le revolver. Ouais. Il a abandonné le. Oh, frérot, Non, mais là, on va chercher, hein. Josh, il doit l'avoir. Voilà, tu vois. Il est parti. C'est trop tard. C'était pas mal. Chut, oui. Elle l'a probablement emmené dans la nuit. Aussi. Stop. Ne bouge plus. Non, mais il y a autre chose maintenant. Il était parti récupérer une clé, tu te souviens? Je vais chercher cette clé. Direct dans la chambre de dans cette les tunnels. Et après, je sors tous de cet enfer. Ouais. Toi, t'es allé au sanatorium, mec. T'avais pas fait voler sa tête à la base? Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où. C'est même les. C'est même ça, c'est pas cohérent quoi. Ah putain, on l'avait oublié lui aussi. Ah bah y'a une séance gratuite. Toi je t'avais dit au bout de 5 séances, la 6ème gratuite. Tu m'avais pas cru. C'est quoi, il est en mode quoi? Il est décrépit. Ah ça c'est quoi, il a vu la facture? Ouais. Ah bah oui, ça fait cher le psy, hein. Ah bah là, ouais. Ah bah oui, mon frère. Je me demande si la gueule du psy donne pas 80 euros la séance. Quelconque c'est pas plaisir. Vous n'écoutez pas et la situation est si. Mais je suis persuadé que c'est le Wendigo. C'est l'esprit du Wendigo en fait qui le torture. Ça expliquerait pourquoi il a complètement vrillé. Je dois vous quitter maintenant. Il s'est servi de ses sœurs. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Pas tous repoussés, vous avez tous mis en danger. Non, vous voilà seul. T'imagines la famille Washington sur les parents? Et t'as les deux fils qui sont morts, t'as le fils qui va crever. C'est-à-dire, je vais vendre le chalet, je crois. Vous ne serez pas seul longtemps. Ah ouais, ouais. Respirez, Joshua. Respirez.
Vas-y, Pierrick, quoi. Non, 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 laissez-moi, laissez-moi tranquille. Non, vous êtes morte. Désolé. Vous êtes morte. Non, ferme-la. Non, vous êtes morte. C'est pas vrai. Tu nous as manipulés. Ils vont adorer ce qu'on se dit. Seule toi, je reçois des ordres de personne. Josh m'a sauvé. Nous n'avons plus de temps. Je vous crois. Je vous crois. Josh. C'est les sœurs, c'est les petites sœurs. Vous n'êtes pas réelles. On était toutes seules ici. Ah ouais, il y a bien Mloot qui m'a mangé. Non, il a pris un peu de bite quand même. On va par là. Ah, mais c'est le déguisement. Il a dû être bourré. Toute seule. Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Allez-vous-en ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meure ? Ouais, j'ai envie de dire déjà, pourquoi la police les a pas retrouvés ? Ah, ouais, ils ont rien branlé, hein. C'est vrai, hein. Oh, flemme, hein. Bon, par contre, j'ai pas envie de rester ici, donc on va avancer. Ouais. C'est quoi ça, des pustules ? Non ! Pas de préalage, tout ça. C'est pas de préalage. C'est le mec qui boxe des cochons géants, c'est. J'ai pas compris le truc du cochon. Oui, il boxe un cochon. Non, mais je sais pas. Je sais que le cochon, c'est un truc qu'il a utilisé pour faire peur à un moment donné, mais là, je vois pas le rapport. Oui. T'es là. Ouais, Boxley, j'avoue. Boxley. Ouais. Que lutter contre tes peurs, c'était de t'en sortir. C'est vraiment ça. Non. Non. Pourquoi vous faites ça? Laissez-moi tranquille. Quelqu'un. Ouais, c'est comme dans la route, quelqu'un lui a jeté une chakra pour sortir entre les visions. Faut lui mettre une gifle, j'en sais rien, moi. Un cochon, mais c'est un plaisir de c'est la fin de merde. Tu vois, c'est bon, Nigo. Vas-y, viens de battre. C'est... Écoute, je bave des cochons. T'as pas, j'ai pas fait un cochon de 10 mètres de haut. Faut rien qui me fait peur. T'inquiète pas, c'est bon. J'aurais boxé mes sœurs aussi. Peut-être un mineur. En vrai, ça, tu vois, tu t'imagines que ça serait pour genre le duo qui s'en sort à la fin, qui s'embrasse, et tu vois, fort du truc, genre la blondasse avec le héros un peu courageux. Lui, il mérite pas de mots et de survivre, le mec qui est parti dans un sanatorium pour rien. Le mec, il a libéré les Wendigo. C'est avec ça. Tu sais qu'à la base, il devait venir juste ici. Ils se sont sûrement échappés quand tout a pété. Il devait à la base venir ici. Le mec est allé dans le sanatorium et à cause de lui, tous les Wendigo ont été libérés. Donc pourquoi t'es allé là-bas? Pour libérer les autres monstres, le level était pas assez élevé. Ouais, ouais, avec un sol déjà c'était chaud quoi. Tu sais, avec un sol déjà on était bien dans la merde. Attends, va à gauche. Ou à droite. Non, à droite. Attends, il y a un truc. Déjà. Ouais, le loot. Descends pas dans l'eau encore. Un totem. Quand c'est blanc, c'est quoi? Ah, c'est la maison des horreurs. Maintenant, c'est le chalet. C'est le chalet des horreurs. Je vais à gauche là. À gauche. Parce qu'il faut descendre dans l'eau normalement là, je crois. Donc va à gauche et fouille. Suffisamment froide pour pas que j'ai envie d'y aller. Non mais déjà fouiller. Mike. Non, je vais pas dans l'eau. Ouais. C'est quand même pas ce que je crois. Merde. On dirait une tombe. Ah bah on l'a retrouvé. Où elle devait aller la croix. C'est Buggy. T'arrives pas à la bouger. Non, c'est Buggy. Hein. Qu'est-ce que tu as? Tu vas la mettre à ton poignet? Mais laisse-la. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai rien compris. C'est oui, encore. C'est sa montre. Quoi? Laisse-moi voir. Bah, il y a son nom dessus, c'est... Oh, regarde, il y avait une croix là. Alors c'est là. Qui a des trucs avec son nom gravé dessus constamment? Non. Qui l'a déterré? Oui, moi j'ai une montre à gousser, oui, mais genre pas toutes mes montres. Allez, continuons. Non, je n'ai pas de personne avec leur...
un bijou avec leur nom écrit dessus, non ? Ouais, mais pas une vieille montre. Même un collier, un. Ah ! Non, ça passe. Et regarde quand même un peu, y'a rien d'autre ? J'ai pas l'impression ? Non. Ah, y'a la tombe, quoi. En gros, l'autre, elle a déterré sa sœur et elle l'a bouffée, quoi. Mais pourquoi c'est bon pour aller dans l'eau. Faut pas profaner des tombes comme ça, hein, s'il vous plaît. Ah, je sais pas, peut-être parce qu'elle est blonde, j'en sais rien. Au point où on en est, hein. Non, mais... on peut cumuler tous les clichés. Là, tu la remets correctement la tombe et on en parle plus. Mais la tombe, c'est pas elle qui l'a profanée. Elle a marché sur les pierres. Elle marche dessus quand même. Ouais. Et elle prend un. Mais entre marcher sur une pierre tombale et la déterrer, celle qu'il y a dedans. Moi en vrai, j'irai pas dans l'eau. Pour une raison simple, j'ai vu Alien. Je suis persuadé qu'un Wendigo ça peut ramper dans l'eau. Surtout qu'elle doit être gelée. Un peu plus. Non, parce que dans une grotte en hiver, de l'eau. Ouais, voilà. Elle est à 0. Elle doit être à 3-4 degrés maximum. Attends, va à gauche, je le suis pas lui. Parce qu'il y a du... lui il suit le scénario lui. Et il y a du loup là-bas. Ouais voilà. Moi je peux faire là-bas. Je te laisse avec ton moulin à la con. Ouais ouais. Voilà, suis-moi s'il te plaît. Et c'est pas moi qui étais devant. Ah, les dames d'abord ça existe pas. Ah bah oui, je prends. Ouais. Ok, bon c'est parti. Oh merde. C'est l'écriture d'Anna. Ah, c'est son journal. Ma petite sœur est morte, la chute elle l'a tuée, son visage, pas pâli, ma jambe est cassée, je suis toute seule avec le corps de Bess, qui est dans un bateau. Okay. C'est un peu de la merde, pas détective. Je n'ai jamais aussi faim, ouais, enfin, on croit la dalle et elle va le bouffer. Ah, mais il n'y a pas de kebab à proximité. Je suis désolée, Bess, je n'ai pas le choix. C'est la seule elle façon déterré, elle pour que je ouais. puisse survivre. On a fait des kebabs. Si quelqu'un lit ça un jour. Je sais pas, moi, un je grec. Je suis désolée, il le fallait, je n'avais pas le choix. Ça veut dire quoi ? C'est comme quand elle a dû bouffer le cerveau. Bah non, la tête est intacte, bizarrement. On l'a retrouvée à un moment donné. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ouais. Bon, là, ça veut plus rien dire. Oh, Ranger. Ouais, c'est ça. C'est... Moi, je vois Ranger, là. Ah ouais, ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Mais si tout s'explique, je crois que Anna a sorti Bess. C'était Anna. Non, c'est ridicule. Avec un peu d'Arissa. Pour relever le coup. Après, c'est la seule explication oui, bon, possible. Bah, c'est la survie, quoi. Hein. Bess est morte en tombant. Et alors ça veut dire quoi la jambe. Bah, ouais. Donc Anna a dû l'enterrer. Putain de merde. Putain de merde. Anna est restée ici. Je peux pas croire ces conneries. Elle devait avoir faim. Elle devait être désespérée. Merde. Il y avait pas des rats. Faut qu'on trouve Josh. Il devait y avoir des animaux dans une petite caverne. Des chauves-souris. T'as une jambe pétée, tu vas pas aller loin. Pas faux. Y'a rien au fond. C'est vrai que tu peux pas aller vraiment loin en fait. Non, y'a. Pété, tu veux faire quoi ? Je crois qu'elle R2 ça permet d'aller plus vite. Ouais, là. Non, c'est celle qui a fait le temps. Ah, c'est ça là ? Autant pour moi. Plus vite. Ouais, enfin, on fait ce qu'on peut. Hein. Ouais. T'as pas fait Little Hope, toi, avec 3 km de d'autoroute, là. Que je me suis tapé à marcher à 2 à l'heure. Allez, hop là, c'est reparti. Ah, bah oui, c'est froid. Ah, oui, c'est froid. Lui, il en a rien à battre. Ah, mais moi, j'ai poursuivi un vieux taré dans les montagnes. Ouais, c'est incroyablement réaliste comment elle se déplace. Ouais. C'est très, très réaliste, ça. Ça c'est... Tu vois, quand tu as passé le passage des. Ouais, c'est des ça. Couilles à la piscine. C'est ça. Ah, c'est. Très réaliste, un peu de non, c'est ah ouais. très bien fait. Après, moi, à mon avis, lui doit avoir des couilles en or. Hein. Comment il a vu tout ce qu'il a fait, il a des couilles. C'est elles doivent être à 2000 degrés. Hein. Parce que toutes les conneries. Pour moi, c'est toujours la même animation pour monter les. Parce qu'on recycle. C'est l'économie du pauvre. Moins cher. Ouais, c'est beaucoup moins cher. Bah, du coup, je suis déçu en fait, y'a rien dans l'eau. Enfin, remarque. Déjà mangé ? C'est pas vrai. C'est rapide, non ? Il s'est fait vite manger. Il a. Genre, elle a même pas. Ah, bah tiens. Donc, ne pas retourner dans l'eau. Ça me semble être le plan. On retourne. Ce serait vraiment pas mal. Tu sais qu'on est une arme, c'est genre. Ouais, un shotgun. Un canon scié. Oui, qui permet de repousser, tu sais, la créature. C'est vachement pas mal. Ouais. Elle a même pas gardé la pelle. Oui. Oh là là. Oh.
Oh, je vais te mal. J'oublie la fin. Ah ouais, non, mais il n'y a pas d'effort. Mais attends. Attends, attends, attends. Genre, pour casser les... Ah oui, je me souviens d'un truc dans ce jeu. Si tes persos sont morts, ils apparaissent ici. Genre, mis sur des crochets de boucher. Un peu goût, hein. Non, mais là, il est en pleine séance, psy. Faut le laisser, là. Hein. Il a pas fini ses deux heures. Faut les rentabiliser. Oui, ils veulent juste les clés, en vrai. Hein. Lui, il s'en branle, hein. Donne-nous juste les clés, si tu veux, reste là. Vas-y. Caché puis traversé. Ah, il y aura un truc à un moment donné avec la blonde là qui est en mode survie là dans la grotte où il faudra se cacher la première fois et la deuxième fois il faudra traverser un ennemi. Traverser, je sais pas trop quoi, mais quand tu vois traverser. T'étais parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Tu peux nous donner les clés du téléphérique? Moi ouais, je serais là. Une bonne juste thérapeutique. Ouais. Elle a déterré Sam. Mike. Ok. Il a le droit de savoir que sa sœur a bouffé son autre sœur. Après. Josh, après. Que t'as la clé. Elle a le droit de le savoir, mais voilà. Pas tout de suite. La clé du téléphérique. Ouais. Tiens. Mais attends une minute. Ils l'ont pas fouillé quand ils l'ont attaché? Non. Genre, il aurait pu avoir une arme sur lui, hein. Surtout qu'il a un holster. Ouais. Un holster ou c'est un truc de mécanicien? Je sais pas. Non, il a une sorte de mécano. Petit, non, c'était Roberto, tu te souviens? Ah, oui, y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok. Si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Attends, ouais. Mais attends, ouais, pause. Tu ramènes Joe. Même si tu montes là-haut pour prévenir les autres que tout va bien, il y a une distance à parcourir à l'extérieur. Mais attends, mais comment ils peuvent être là-haut si en fait on a monté un mur? Parce qu'elle a fait de l'escalade. Ouais, donc elle a encore monté en niveau. On est au-dessus, on n'est pas en dessous. Mais c'est ça. Et quoi qu'ils étaient dans les sous-sols de la maison. Ah, bon, mais ça change rien au fait que même si elle sort là-haut, faut qu'elle se tape toute la forêt dans le noir. Sans GPS, sans carte, sans rien. Genre, elle va retrouver le chalet. Non, c'est bon. Non, mais c'est bon. Vous restez là, d'accord. Tu restes avec le taré, moi je me tire là-haut. Ouais, toi aussi. Et il y a d'autres Wendigo maintenant dehors. Hein. Allez, bye bye. Mais aide-la. Non, mais vas-y, casse-toi. Donc maintenant on est avec Josh. Ah bah on est Josh. Ah. Mais lui on aurait pu le laisser, on s'en fout. On a les clés. Bon, du coup il va venir. Y'a pas un totem par hasard à gauche? J'ai de frapper si fort. Attends. Ouais. Je suis désolé pour ça. Ouais. Je croyais que t'avais tué Jess. On m'a regardé s'il y a pas un truc pour lui quoi. Qui prédit sa mort. Nous on veut du loot. Là. Et bah voilà. C'est quoi comme couleur? La fin du totem. Oui, techniquement. C'est le dernier? Ah! Ah! Ah, effectivement. Un totem de quoi? De chance? Se retrouver face à un Wendigo, c'est une chance? Ah, c'est pas. Ouais. On n'a pas la même définition du mot chance, hein! Moi j'aurais mis ça dans danger ou dans mort! Non? Ouais. Pourquoi tu parles de me mettre un phare dans la gueule, s'il te plaît? Ouais, je sais pas, peut-être il fait du SOS. Merci. Ou alors il fait du morse. Comment on appelle ça déjà? En utilisant des lumières, c'est du morse? Normalement, on aurait dû voir les cadavres là. C'est-à-dire que tout le monde est en vie pour l'instant. Ouais. Il y a juste le chasseur qui est pendu là-haut. Lui là ? Ouais, c'est le chasseur. Et du coup, le lance-flamme il est là ? C'est une bonne question. Ah, non. Ah, parce que ça se mange pas, elle l'a pas pris. Ouais, mais bon, il était sur son dos et pour l'enlever. Ouais, mais c'est trop lourd, ça rajoute du lourd en plus. Peut-être elle a mordu dedans et s'est enflammé la gueule, je sais pas. On sait pas grave, on avance. Parce que la limite entre l'intelligence et la stupidité, je la comprends pas trop. Pour cette créature. Genre c'est intelligent. Mais Roger tu viens ou... Oui, mais tu vois, des fois ça fait des temps de pause. Genre la créature apparaît devant toi, tu te dis, bon bah c'est bon, t'es mort, elle va te couper la tête. Tu viens ou pas? Je sais. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il veut pas venir. Et tu vas où là? Tu retournes dans le truc? Je sais pas, on se casse. Et tu sais tomber de chemin? Bah non, c'est là. Il s'est barré où l'autre? C'est pas... Il y a un autre bug. Vas-y pour voir, essaye, avance. Va dans l'eau pour voir. Oui, c'est là le jeu. Mais on va sur... là, on s'est attaqué par le Wendigo, toutes ces conneries, non? Ouais, mais il est où l'autre? Bah, suis-le. Bah, retourne en arrière. Dis-moi qui est con. Non. Normalement, c'est par là la sortie. Vu que c'est un chemin à sens unique. Bah, oui, c'est une ligne droite. C'est une ligne droite, tu peux pas. Retrouve-le pour voir. Peut-être, je sais pas, il veut choper un truc. Peut-être une arme. Et là il va trouver un Beretta 9000. Ouais non. Écoute, il a trouvé un fusil à pompe, il a trouvé un revolver. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas avec son truc?
Ou peut-être qu'il est admiratif devant la capacité de conservation du corps. Pour les boutons. Capacité de conservation du corps. Donc qu'est-ce qu'il veut ce con ? Ah, écoute, voilà, je suis revenu. Et peut-être qu'il veut juste te flasher la gueule. Il va me dire quelque chose. Ah, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, faut rester à côté de lui. Oh, c'est une blague. C'est lui devant, pas toi. Toi, t'es derrière. C'est celui qui a la lampe torche qui est devant. C'est... Pourquoi ils mettent un plan débulé ? Ouais, ouais, du coup, un plan bourré alors. Et du coup, ça, c'est la planque du Wendigo. Bon, en tout cas, c'est son garde-manger. Il n'y a pas beaucoup. Ah, il n'y a pas beaucoup. Il y a un gars. Ouais. Normalement, on devrait en avoir plus si on avait fait des conneries. Malheureusement, malgré toutes les conneries qu'on a fait, on est toujours en vie. Ah, et ça repartit pour la piscine. Ouais, mais il n'y a allez, pas machin pédiluve. Dedans. Allez, le pédiluve. Mais y a, ouais, mais il y a le machin. Il y a sa sœur dans l'eau. Attends, est-ce que lui aussi fait ça ou quoi? Ah, ah oui. Ah bah oui, parce que ouais. Du coup, ça fait mal. Hein. Ouais, parce que ah, dans la nouvelle, il doit avoir des couilles, a priori. Enfin. Ah, c'est frais. Mais il n'y a pas sa sœur dans l'eau? Allez, on avance. Il y a sa sœur, non? Quoi, du menu? Ouais. Bah oui, elle se tapait une brasse, oui. Ouais, donc elle est là? Peut-être. Tant qu'on bouge pas, il se passe rien. Non. Ah, merde. Ouais, mais c'est pas de notre faute, ça. Il bouge pas. Il bouge pas. Sa vision est basée sur les mouvements du joystick. C'est ça. Tu crois que je vais bouger? Non. Ah, je reste en là. Vrai, bouge pas. Ah. Non, tu n'es pas. Oh, mais t'es con aussi. Mais on n'a pas bougé. Non, tu n'existes pas. Ah, j'ai rien touché. Ah, t'es mort, hein. Elle a grandi, sa sœur, hein. Ah, dire un nom de famille. Ah, non, c'était dans sa tête, au début. Il croyait le suivre, mais le Wendigo en fait lui a montré une fausse image. Parce qu'il veut le désespérer le plus possible en fait. Donc il se dit que maintenant il est à nouveau tout seul. Ah, le Black, il est là. Il est encore vivant. Ouais. C'est fou, hein. Ils sont pas en bon état. Hein. Ouais. Tiens, là. Allez, on allume. On allume. Et la lumière fuit. Et hop là. Par contre, il m'a pas dit ce qu'on devait faire s'il y avait le black. Il m'a dit pour la blonde, c'est caché. Ah, elle est là. Et oh, en même temps, c'est normal. Dans le traumatisme qu'elle a eu et tout, le premier truc qu'elle voit qui ressemble à je ne sais pas quoi, elle prend une pelle, c'est normal. Genre, j'aurais pu prendre un coup de pelle. Ouais, et mourir. Sortir. C'est con. Ouais, ouais. Bah, du coup, ça doit être les mêmes trucs en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Atterrir en bas. Mike et moi, on faisait les cons et puis c'était... Quoi? J'en sais rien, j'étais près de la fenêtre. Attends, tu vas me dire qu'elle a pas vu la créature? Le machin qui l'a traîné, elle l'a pas vu. Et puis ça bougeait, si vite, merde. Salut, Nolor. Ça va, on a enfin trouvé les problèmes de son d'où ça venait. Non. Ça venait de la manette. Tu peux bouger? Oui. Allez, Jess. Tirez-vous. Oh, regarde comment tu peux la pousser. C'est vraiment parce qu'on se fait chier hein, qu'on en a ce stade. Là. Attends, regarde. Non. Peut-être y aller, hein. Y a rien à ramasser? Attends, regarde à gauche ou à droite? Non. Là, le grillage, y'a rien. Non. Non. Regarde à gauche. Bah, sur la gauche. Parce que là, le tunnel, je suppose qu'il faut le suivre. Va à gauche. Y'a rien là? Partir à gauche? Ouais, y'a rien. Écoute, apparemment, c'est la suite. Hein. J'ai fait quoi pour moi? C'est. Dans quel style? Ah bah non, c'était le chemin. Merde. Je suis désolé du coup. Non, c'est pas grave, on avance, on verra bien. De toute façon, on a la distance. Ouais, voilà, on la lise toute seule. Allez, salut! C'est pas que je veux pas de toi, mais en général dans les films d'horreur, c'est la blonde ou le black qui meurt. Donc à choisir. Plus de black, hein. Ouais, il y a plus de chances donc. Donc n'oublie pas, te cacher, ne pas bouger. Hein. De ce qu'on m'a dit, c'est cacher, pas bouger. Et ensuite. Voilà, traverser. Elle arrive. N'oublie pas, cacher. Oh merde, allez. Non, cacher. Donc vous êtes mort.
Caché. Faudra pas bouger, hein. Quoi qu'il arrive, hein, même si tu meurs et tout. Hein. Ah, c'est con, je peux poser la manette. Ah oui, c'est pas beau. Éteins ta lumière, débile. Mais elle voit pas la lumière. Ah bon? Elle dit qu'elle voyait les mouvements. Oula, putain, le... La rattraper, elle est tombée, elle est plus... Ah. Wow. T'as... Heureusement, t'as les réflexes, hein. Ça fait mal. Ensuite, ça sera traversé. D'accord. Elle est pas attirée par l'odeur du sang aussi? On doit y arriver. Remarque, ils ont pas de nez. À sortir d'ici. Allez. Ah, Krina, il a pas de nez, il peut sortir. On a Discord. J'ai un Discord et attends. Vas-y, toi, amuse-toi bien. N'oublie pas de traverser. Jess. C'est à l'occasion. Jess. Allez. Tu vois, regarde, c'est ultra rapide cette chose. Traverser. Il y a pas. À droite. C'est voilà. Bah il aurait pu être plus précis quand il a dû traverser. Genre qu'il... Okay. C'est incroyable si elle vous a pas vu la traverser. Ah t'as quelque chose. Allez, bye. Va là-bas. Eh, ça va être compliqué d'arriver jusque chez Alain. Oui. Après c'est un peu con donc ça va. C'est pire. Ouais, on va. Pendant ce temps-là, t'as l'autre. Je sais pas pourquoi elle escalade encore la des trucs. Raconte, ouais, voilà. Moi, je suis à un stade. Mais joue un mur. Pourquoi? Escaladeuse simulateur. Bon, allez, ouais. On va sauter. Allez. T'as des allez, on saute. Putain, les sauts. Rock d'air, on les sauts de Carole. Non, mais Matt, ouais. C'est fait. Ça. Non, mais elle, on l'inscrit au JO. Hein. Ah, bah, oh, merde. Bon, ça va, Matt, t'es pas mort. Ah, on repart. Non. Bon, écoute, allez, on recommence. Et hop là! Et je me souviens par contre, la fin c'est 1, 2, 3 soleil. Faut faire gaffe, hein. Hop là. Elle y va. Hein. Elle. Et hop là! Et comment elle s'agrippe à la neige? Et hop là! Bah elle est souple, hein. C'est. On dirait, tiens, des fois au JO, tu vois, par exemple. Les gymnastes chinois. Oui. T'as vu comment ils sont grave souples, ils font des trucs, c'est incroyable. Ah non, mais elles, elles ont bossé, elles ont été entraînées pendant des années, apprentissage du Kamasutra dès 12 ans. Toutes les positions possibles. Tu dis c'est pas possible pour qu'elles soient aussi flexibles. Elles ont dû expérimenter toutes les positions du Kamasutra. Hein. Allez vas-y, prends. Allez vas-y. Déjà rentre à la maison. J'avais dit, ça va être chaud de rentrer, hein. Ah oui, on voit, vas-y. C'est moi ou c'est la gravité, mais attends. Et la gravité est partie en couille l'espace d'un instant, mais enfin, surtout les arbres. Quand elle marche, on dirait pas que la cheville tordue. C'est moi, la cheville droite. Non, mais elle est, c'est buggy. Ouais. Mais même elle, t'as vu comment elle est inclinée et vers l'arrière. Elle est en pente, c'est tout. Petite pente avec de la neige, elle est pas glissée, c'est tout. Mais le plan qui est bizarre aussi. Regarde, on peut tirer. Ouais, on peut accélérer. C'est ridicule. Ouais, c'est vite dit. Ouah, la vitesse de ouf. Oh, encore de l'eau. Oh là là. Tu peux pas marcher à côté. Ah oui, j'ai vu, tiens, rien. Regarde, ça se voit, elle passe à côté. Ouais. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, merci. Pour le coup. C'est vrai que c'est souvent détente. C'est froid, c'est froid. Ouais, moi j'irai pas dans l'eau. Ouh, c'est froid. Moi je contourne, tu sais, vers les rochers. Oui, tout simplement. Mais c'est très gentil. Ouais, ça pourrait être sympa. Je vais mettre mon bannière. Sympa. Peut-être si tu peux mettre ta signature quelque part. Parce qu'en général, quand quelqu'un fait des trucs. Moi je le fais pas, je signe jamais ce que je dessine et tout. Mais ça peut faire un peu un coup de pub et ça peut être toujours un peu sympa de mettre la signature à côté. Non, mais elle est survie, elle sûre. Elle s'est obligée à survivre. Ah bah oui, c'est trempé. Mais du coup, les autres, ils font quoi? Attends, il y a une musique qui fait peur. Ouais, enfin, vite fait. Bon, je suppose que j'ai avancé jusqu'à 15 kilomètres. Y'a plus de totem, rien? Bah, on a le bout du totem, hein. Ah oui, c'est après. On a tout eu. Bon, c'est reparti pour aller sur. Non, là il y a même plus de. Elle était morte, tu sais. Elle s'est dit, vas-y, glisse, roule ma poule. Oh,
Donc en fait, si je résume, il y en a. C'est où, ah, c'est la cabane. Ouais, ouais. Attends, bah du coup, il y a le matos de lance-flamme juste là. Ouais. Moi, il est posé juste devant la cabane. Ouais, mais normalement, ça marche plus. Reste sur tes gardes. Garde la manette. Je sais pas, parce qu'elle a dû se barrer avec, j'en sais rien, moi, le scénario. Ah, si. C'est qui met des rondins de bois sur les chemins? Ah, il y en a beaucoup qui sont tombés. T'as plus de QTE? Regarde devant toi, putain! Ah, la bonbonne de gaz! Vas-y, rentre vite! Eh, mais attends, non, il y a un truc que j'ai pas compris! Le Wendigo, la dernière fois, il a pas sauté contre la porte vitrée? Laissez-moi entrer! Il a sauté contre la porte vitrée! Si, c'est celle-là, ouais! Merde! Mike! Oh, putain, le gueule qu'il a! T'as une sale gueule! Mais il a pas changé depuis tout à l'heure! Ce sera bien pire si on traîne dans le coin! Non, tu crois? Allez! Mais attends, la porte! Le Wendigo a sauté dessus! Tu te souviens? Quand la geek, elle a ouvert à l'autre geek! Quand il a fui Chris là, après que le chasseur se soit fait tuer! Il arrive jusqu'au chalet! Okay. Et Ashley l'ouvre la porte et la ferme! Mais c'était pas cette porte là? C'est cette porte là parce qu'il y a la bonbonne de gaz! Ah, peut-être pas. Hein. Et c'est le seul chemin qui mène au. Donc voilà, le Wendigo ne peut pas passer des portes en bois. Vitrées. C'est des portes en métal blindées. Ouais, voilà, c'est ça. Ou c'est comme les loups-garous dans Teen Wolf. Ça passe pas le sorbier. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Allons voir où ça. Pourquoi il y a de la neige à l'intérieur? Il reste peut-être quelqu'un. C'est de la poussière ou de la neige? Plus la poussière, mais... On est en sécurité, ça va. Non, c'est bon, non, sécurité, ça va. Ça passe pas les fenêtres et les portes en bois. Carré. Pas de collectif, rien. Oh. On va dire, on est à la fin du jeu. Hein. Bon, est-ce qu'il faut y aller? Je sais pas. Pas là, visiblement. Ah, je crois que là, c'est là où il y avait le cinéma. Tu sais, quand il y avait Roberto, là... Bon, bah écoutez, je vais me prendre un bain. On va remonter là-haut. Ouais, il y a toujours de l'eau chaude. Il y a toujours l'eau chaude. Voilà. Et on va dire que rien de tout cela n'est arrivé. Rien passé depuis tout à l'heure. Moi, je t'imagines qu'il y a vraiment une personne qui peut avoir un raisonnement comme ça? Une personne au moins qui a dû avoir un raisonnement comme ça. Et après, t'as les filles qui débarquent, qui se demandent pourquoi elle est morte dans son bain. Voilà. Ah, il y a un truc. En fait, les portes. Hé, hey, ah donc je suis dans. Moi, je vais dans mon bain, alors casse-toi. Tu dégages. Donc les portes. Non. C'était peut-être pas cette chambre-là. C'était de l'autre côté. Ouais. Ou c'est peut-être pas dans les chambres, faut peut-être descendre en bas, vu qu'ils sont censés être en bas. Ah, effectivement. Bon bah. Ils sont encore dans les tunnels, non, les trois glandouillons? Les trois glandouillons? Mais nous, on en sait rien. Ah bah, Mike, il sait, mais la nana. Bah si, elle sait justement mais que oui. Les trois glandus sont en bas. C'est Mike qui sait pas. On descend. Ouais, on descend. Ouais. Peut-être l'occasion de récupérer le flingue aussi. Ah oui, oui, oui. Mais cette maison où personne allume la lumière, quoi. C'est allumé au moins. Pas allumé, t'appelles ça comment ça? C'est pas allumé là. Elle sort d'où ta lumière là? Elle sort non, mais la lampe torche sur ta gueule, on s'en fout. Allumez les lumières. C'est photo. Ah, mais incroyablement c'est... moche. Non mais ouais, mais après il s'appelle Washington. Hein. Très mauvais goût. Ouais, ouais. Confirme. Ils doivent être en bas en théorie. On repart dans le bunker là-bas. Bah oui. Espèce de cave. C'est cinématique ou c'est toi qui descends là? Ah, c'est cinématique. Ah. Je ne contrôle plus rien. Ton avis, quelles sont nos chances de survivre? Dans un monde logique, zéro. Bah en fait, ça dépend si tu avais gardé les armes. Oui, voilà, donc dans un monde logique. Cassez-vous, allez, 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 allez. Elle s'en fout de l'autre. Elle s'est pris un coup d'épaule. Ferme la porte, ça supporte pas le bois. Voilà, ça peut pas passer une porte en bois. Tout va bien. Vraiment, une galère. Alors là, normalement, je crois que c'est là où ça commence, le 1, 2, 3 soleil. Donc c'est 1, 2, 3 soleil. C'est un ami à moi, c'est avec lui justement qu'on va bosser sur l'émission. Nickel, c'est bien. Toujours signé en fait, parce qu'il y a des fois des personnes qui utilisent des images d'autres personnes
de manière à exploiter ça, c'est-à-dire pour faire un peu leur business et pas juste pour montrer des images mais pour autre chose. Donc là c'est 1, 2, 3 soleil. Pas bougé. Quoi qu'il arrive, hein. Après ça va, il n'y en a qu'un. Tire des 4, en plus une et tu te barres. Ça dure combien de temps? Ça dure pas trop longtemps. Donc... Regarde pas la manette par contre, ça tombe pas. C'est très con. Ah non, il y en a deux. Mais t'es pas mort toi? Ah non, il y en a trois. Merci Mike, hein, de t'avoir libéré. Ah oui, c'est la scène Jurassic World. Ils sont en fait, ils se rebellent et ils se battent entre eux. Ah, c'est le gars. Ouais, littéralement. Ah, ça pue du cul. Ouais. Est-ce que tu entends mes pensées? C'est genre, c'est, il va se péter l'ampoule et éteindre les lumières. Tu pètes l'ampoule avant. Tu vois, ils arrivent à t'envoyer des tips par la force. Non mais il y a un peu. Mais comment ils font pour être coordonnés comme ça? Sans bouger. Ah, bon, ouais, enfin, mais quand même, on le voit. C'est vraiment Jurassic World en fait. Tu sais, c'est les Velociraptors qui se rebellent contre les Dominus Rex. Parce que là, c'est l'inverse. Pas bouger. Il en reste combien en tout? Il y en avait combien déjà dans la prison? Prison, il y en avait 3 qui étaient bloqués. Il y en a un qui a cramé, deux qui se sont fait décapiter, enfin un décapité, l'autre aussi. Ça fait de... T'as pas de sang dans les mains, bien sûr. Il y en a pas une qui s'est barrée? Si. Attends, se cacher, je sais pas, tenter. Comment tu veux sauver Mike? Non, pas sauver Mike. Vas-y, sauvez Mike. Ah bah voilà, donc là c'est ça fait 4 en tout. Tu veux que je fasse quoi pour sauver Mike? Ah mais oh. Ah merde. Ah merde, j'avais pas compris. Ah merde. Ah mais elle est morte. Ah merde, ils sont descendus. Non, il y en a un qui s'est barré. C'est le mec qui me foulait la cheville. Ah, c'était à ça. Ça veut dire ça, sauver Mike? Oui. Si vous avez pas dit sauver le monde, hein. Mais quoi? On a un visuel. Le bâtiment principal est complètement détruit. Il y en a deux qui ont survécu. Attendez, je vois quelque chose. On dirait qu'ils ne sont pas tous morts. Mais comment ils savent déjà qu'il y a des morts? Sauver Mike, mais en fait. Oui. Genre c'est dire que dans tous les cas je pouvais pas les sauver ou... Si, à mon avis peut-être que si tu sauves Mike ou si, peut-être que Mike se sacrifie et du coup je sais pas. Attends, les choix de dialogue ils sont pétés, écoute. J'ai fait un perfect. Écoute, les choix de dialogue ils sont pétés. Oui, oui. Mais voilà. J'avais fait un perfect. Non. Ils étaient tous en vie. Oui. Jusqu'à maintenant alors que c'était pas facile. Oh, c'est hein. Con. Ouais. Oh, non, mais vraiment le dernier choix de merde. Ah ouais. Oh non. Ah mais tous les Wendigos sont morts aussi. Ouais mais bon c'est con, non. Ah tu sais qu'il y a des morts encore plus connes dans Man of Medan. Mais... Ce vieil homme, je sais pas comment le décrire. Au début vous pensiez qu'il vous traquait. Et genre, quelqu'un si j'avais choisi de sauver Mike, j'aurais sauvé que lui ou j'aurais sauvé tout le monde? Ah, je crois que c'est tous les autres. Oui. Mais en. C'est mal foutu, t'as vu les choix de dialogue? Non, oui, parce que non. Moi je me suis dit, dans tous les cas, qu'est-ce que je fasse pour aller les aider? Je peux rien faire. Mais je sais pas, à part te sacrifier et mourir. Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. Ah là là. J'étais là. Ah bah non! Il a survécu aussi le mec! Ah oui, Dobby. Là, j'ai essayé de faire quelque chose. J'étais faible. Et bah la blonde aussi. Dans les mines. On m'a. Et bah t'as les deux. Porté. Qui sont survécus. Emmené. Bah la moitié a survécu. Je sais pas. Je sais plus. Ah, c'est très très con. Ouais, ouais. La dernière décision de jeu, t'as j'ai la moitié qui est ouais. Proche. À cause d'un choix, à la con, t'arrives pas à comprendre. Il est disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru. Et j'ai cru qu'on était proches. Bon, c'est pas grave. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je vais bien. Vous
savez, parfois, suite à un profond traumatisme. Je vous dis que je vais bien. Franchement, si tu t'en sors bien comme ça après ça. Franchement, moi, je prends une séance de thérapie pendant des semaines. Il avait perdu les pédales et je. Ça fait plaisir. Je devais le calmer. Vous avez dit qu'il était ligoté. Oui, mais. D'accord. Ok. Je sais, c'est pas glorieux. Mais vous comprenez pas, il essayait de nous rendre fous. Ouais, ils sont pas responsables de l'avoir attaché. L'autre. Où est même. Vous l'avez retrouvé ? Elle est morte. Oui, en effet. Quoi ? Où ? Où est-ce qu'elle est ? Monsieur. Il faut que je lui parle. Non, elle est morte. Donne-toi la différence. Elle a carbonisé, hein. Quoi ? Comment ça ? Ça veut dire quoi ? Elle était à l'intérieur. L'incendie. On a retrouvé son corps. Non, non, non. Mais mec, t'es libre maintenant, c'est fini, Dobby est libre. Ouais. Ça va, ça fait 3 mois que tu sors avec. T'avais jamais eu un crush sur elle ou quoi que ce soit. De quoi vous rappelez-vous ? C'est chiant quand même. Oui. Il est venu pour moi. Ah oui, Mike par contre, il a tout donné pour elle, hein. Où est-il ? Ouais. Il s'en est sorti. C'est con lui aussi. Il a tout donné pour elle, hein. C'est ma faute si Mike est mort. Je devais rester ici. Mais où le choix de merde à la fin ? Ah oui. La lâche. T'as vu son content, tu m'as fait tout le monde. C'est ça. Donc oh l'attentat terroriste, le truc là. Bah, du coup, la prémonition avec Mike cramé, c'était ça en fait. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Vous y cherchez quoi, Sam ? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Bah, dis-le, banane. N'importe quoi pour oublier ça. Tu dis qu'il y a une espèce de créature bizarre et il faut tout cramer au lance. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a l'armée qui est venue avant. Ah oui, ils sont barrés, c'est vrai. Ils sont barrés, ils ont pas payé pour ces conneries. Ouais, voilà. C'est. Ouais, personne n'a regardé. Ouais, c'est. Mais il y avait. L'armée est venue. Ils se sont fait désinguer par des Wendigo. Et genre, ils se disent qu'est-ce qu'il y a dans les montagnes. D'après toi, Sherlock, il y a quoi? Ah, bah, c'est devenu un Wendigo. Mais qui sont-ils? Ah, bah oui! Elle l'a abandonné dans une grotte toute seule et tout, etc. Il avait rien pour manger. Quoi, mais moi? Enfin, si, il avait le chasseur à manger. Ah, il bouffe le chasseur, quoi. Il y a quelque chose là-dedans. Ouais, le mot quelque chose est bien vu. On a trouvé un survivant. Un survivant, je répète. Enfin, survivant. Qu'est-ce que c'est? Oh merde! Reculez! Non, non! Reculez! Bah. Il a survécu, d'une certaine manière. Bon, voilà, morale, globalité, c'est un jeu qui est tellement pété que, à mon avis, si tu veux, on peut commencer même, dès demain, on commence l'enregistrement, hein, pour l'émission. C'est tellement de gags possibles. Par exemple, un truc que je comprends pas, le Wendigo, il a sauté en direction de la porte en bois, là, pété. Enfin, non, la porte en bois, elle est en... Elle est en porte en bois et en verre. C'est du cajou. Mais ouais, mais c'est du cajou, mais ça arrive à tordre des portes en métal. Non, c'est du cajou. Oh. Ouais, c'est ça. Il y a autre chose, les lumières. Il y a personne qui allume les lumières. Tu sais, ils se sont dit. Juste à la fin, ils se sont rappelés. Les lumières. Mais je croyais qu'il y avait pas de courant. On leur a dit. On leur a jamais dit qu'il y avait pas de courant. C'est eux qui allument pas. Bah, je décale, j'éteins. Hein? Je décale. Ouais. J'éteins. Mmh. Bah écoute, voilà. Oui, mais bon, on est d'accord que tu vas dans un chalet la nuit, il est 23h, t'allumes la lumière. T'allumes la lumière. T'as aussi la c'est pas grave. T'as aussi la valise remplie de culottes là qui volée par Tortue Géniale qu'on n'a jamais retrouvée. C'est la Wendy. Il lui fallait des nouvelles culottes. Après, étant donné qu'elle elle a cramé, bon bah maintenant on s'en fout en fait. Hein. Mais pourquoi tu kidnappes des pourquoi t'enlèves des culottes? C'est le meilleur moyen de les attirer dans la forêt, c'est de retirer la pelisse des culottes. Moi, je vais au chalet, il est 23h passé. Ma copine me dit, ma valise à culottes a disparu. Chérie, on attend demain matin. Écoute, je suis l'avocat du diable, mais commis d'office, tu vois. Là, c'est même plus l'avocat du diable, c'est le diable. Je défends, mais tu vois, je sais qu'au fond de moi, il l'a... Voilà. Ouais, voilà, il l'a tué, mais voilà. Faut le défendre. Oui, parce que bon, bah, c'est ma profession qui l'impose. Je peux pas dire non, quoi. Mais là, quand même, c'est fort. Oh, c'est fort. Ouais, bah, du coup, il y a tout qui va pas. Venir au chalet à 22h du soir, 23h plutôt du soir. Il y avait 15 bus. Mais même, tu pars la nuit pour arriver le matin. À la campagne, t'as un bus par jour, tu vois. Et bah, t'attends le reste. Ça passe.
Tout le monde t'attend à l'entrée. Nous, on est invité à un chalet. Un petit village. Non, mais on est d'accord qu'on fait le chat, on fait le trajet ensemble. Oui. C'est pas tout le monde qui part. Ça a aucun sens. Il y a aussi l'autre là, la blondasse, qui attendait que Mike arrive au téléphérique. Alors que Mike, il était déjà tout là-haut. Non. C'est lui, il est déjà avec son ex là-haut. Elle attend au téléphérique. Comme une conne. Ouais. Ouais, elle l'attend, mon gars, ouais. Et par contre, le mec, sa copine se fait enlever, tu sais, mais Rambo, hein. Il a mis son bandeau. Ce soir, je nique. Reviens là. T'sais, il est parti. Il a traversé une forêt, une mine et tout. Et même quand sa copine, nous, on a cru qu'elle était morte dans l'ascenseur. Vu qu'il est tombé l'ascenseur. Pour nous, elle est morte. Il a pas le temps. C'est le mec. Je vais la venger. Mais de quoi? Le mec, il escalade la cage de l'ascenseur. Il a vu que son arme était enrayée. Il a balancé son arme. Ouais. Au lieu de te dire, tu sais, ça peut servir de batte. Au pire des cas, t'as même si t'arrives pas à le désenrayer, tu peux foutre un coup avec. Non, il lâche son arme, il court, il sprint. Son arme, en fait, elle marche toujours. Enfin, elle marche, techniquement, si tu tires, elle marche. Il y a eu un incident, il y a eu un problème, j'en sais rien, moi. Bah, en fait, si tu tires la première fois, quand tu vois la tête qui dépasse en haut là, ça tire. Donc, ça veut dire que si tu ne tires pas et que tu montes et que tu vois le mec pour tirer, c'est censé tirer. Si tu veux faire un choix qui a des conséquences, là, ça aurait pu être un choix qui a une conséquence. Tu montes là-haut, tu vois le chasseur, là, tu le vois bien. Tu pointes avec ton fusil, tu tires, le chasseur est blessé, et donc peut-être que plus tard, ça aura des conséquences. Là, y a rien. Et le mec, il rentre dans le sanatorium, tu sais pas pourquoi. C'est, je vais venger ma copine. Non, mais à un moment donné, il s'en bat les couilles, après, il se barre. Il passe dans le sous-sol, il va jusqu'au chalet. Après, il en reste pas mal dans les prisons, là, dans le sanatorium. Mais justement, c'est pour ça qu'il fallait pas y aller. Parce qu'après, faut récupérer les clés du téléphérique. Je vais aller au sanatorium. Non, mais les clés du téléphérique, elles sont avec Josh, non? Faut aller dans la grotte. Non, alors je vais au sanatorium pour libérer les autres Wendigo. Littéralement ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait qu'un seul. Ouais, il y avait qu'un seul. C'était safe, tu vois. Ça allait. Il était gérable. Oui, voilà. Là, maintenant, il y en avait plusieurs. Je crois que les militaires, s'ils sont aussi gérables que ça, les militaires, vous branlez quoi? Oui, aussi. Parce que dans The Inpatient, que j'ai fait, les militaires débarquent surarmés. Tous démolis par les Wendigo et l'armée elle se dit c'est bon ça va on laisse. Non parce que ok c'est assez costaud pour être problématique. Mais normalement t'as des militaires entraînés. Mais là avec une gérable, grenade c'est gérable. Oui. Dans le sens où tu les mitrailles pour les immobiliser et tu les crames. Ça va vite. Hein. Ouais voilà. Mais les militaires genre c'était quoi? C'est des Ruskovs qui ont été envoyés? Ils avaient pas le matos? C'est fou dans une passion c'est ça. Hein. C'est ils arrivent ils se font tuer par les Wendigo. Et l'armée a dit, on va les laisser installer un chalet là-bas. Non, pour nourrir les créatures. Ça passe. Ah putain, non, pour moi, non. Là, le nombre de gags est quasi infini. Hein. Mais j'ai un nombre de gags. Par exemple, au début de l'émission, je t'assure, on déplie pas le fond vert. On dit, ils ont fait la moitié d'un jeu, on fait la moitié du taf. Je déplie pas le fond vert. Hein. Ah, c'est mort. Hein. Le fond vert, il reste comme il est très bien là. C'est énorme. Et il y a plein d'autres problèmes. Personne n'allume les lumières. Les gens se séparent pour des raisons débiles. Bon, mais ça, c'est dans tous les films. Ouais. Oui, non, mais là, c'est débile au possible. Là. Bon, on voit aller baiser, on va traverser une forêt, une rivière, une mine. Aller jusqu'au Mordor. Les égouts. Ça va trop loin, là, pour baiser. Non, moi, je dis chérie, au pire, on attend demain. On va faire ça dans la chambre là-haut. Puis voilà. En plus, t'arrives au chalet. Le premier truc que tu dis, c'est pas je vais sortir et partir. Il est 23h. Et Dobby, il est avec Mulan. C'est, il a dit, ma valise à culotte, elle est où? On la récupère demain, c'est pas grave ça. Non, mais après, je peux comprendre que la nana veut récupérer ses affaires. C'est... Oui, mais c'est pas 23h, mais pas 23h dehors dans le noir. Tu vas pas les retrouver. Je connais des personnes qui le feraient. Non, mais pas là, il y a des animaux sauvages dehors, il fait nuit. Ils s'en battent les couilles. Il y a des gens, ils s'en battent les couilles de tes animaux sauvages, ils iront quand même. Oui, ils vont crever. Non, mais non, il y a des gens, même à 23h, ils te demandent. D'accord, ok, imaginons. Maintenant, les armes. Ah non, ça c'est débile. J'ai une hache, je pose la hache. J'ai un flingue, je pose le flingue. Il faut barricader une porte, je vais mettre le fusil dedans. Mais non, y a putain de merde. Parce qu'en plus, il y avait une barre de merde. Mais oui, c'est à côté avec le tonneau là, enfin avec le baril. Bleu là, t'avais deux barres, t'en mets une, tu gardes le fusil. Ça aurait pu lui permettre de survivre. Contre les Wendigo. Genre peut-être en repousser un. C'est ce qu'il a fait dans la prison, enfin dans le sanatorium. Les repousser avec un coup de fusil. Marcher en plus. Et ça marchait bien. Et même l'autre avec son pompe. Pourquoi t'as lâché le fusil à pompe?
Pourquoi vous voulez tous crever? C'est, ils veulent que... c'est pour ça qu'en fait que j'ai pas peur. Tu peux pas avoir peur pour une bande de cons. T'as peur quand c'est logique. Dans Alien par exemple. Bah, le mec qui s'est décapité au lance-flammes, bah il a pas. Lui il s'est fait avoir. Ouais. C'est tout. Mais il était armé, il était sur son guide. Ouais. Là juste ils abandonnent leurs armes, tu sais, c'est. Et aussi accessoirement, c'est ultra rapide, ça arrive à couper la tête d'un mec, mais quand il s'agit des protagonistes, ça prend son temps. Ça prend des pauses. C'est du posing en soirée dans Jojo. T'sais, ils prennent des pauses tranquilles. Ils se posent, ils se mettent dans des endroits. Non, mais leur façon de se déplacer, on dirait des cafards. Un peu. Genre, c'est... on dirait des liqueurs un peu aussi. Dans Resident Evil. Non, mais c'est pas possible. Ils vont tellement vite qu'ils arrivent à couper la tête d'un mec. Mais ils arrivent pas à rattraper une blonde qui boite et un black. Dans un tunnel. En ligne droite. C'est en ligne droite, hein. C'est plein de fois la créature apparaît devant eux. Mais elle fait rien. Qu'elle n'ose pas beaucoup. Hein. Bah, c'est même pas qu'elle n'ose pas. Basiquement, en fait. Ça tue tout le monde, en fait, dès le début. Parce que j'ai réfléchi, à part l'explosion à la fin. Ouais. Bah, du coup, en fait, personne n'est mort. C'est à part... Oui, c'est vraiment à cause d'un choix de merde. Mais c'est marqué sauver Mike. Et t'as pas compris. Il comprend pas le choix. C'est vrai que le choix était mal. Bon, après, ça, c'est la traduction. On va dire, ok, ça passe. Mais même, en quoi sauver Mike, ça condamne tout le monde? En quoi le fait de ne pas le sauver, ça condamne tout le monde? La lumière. Oui, parce que c'était le plan. Oui, c'était le plan, mais moi je crois qu'il allait se barrer. Que tout le monde... Oui, voilà, c'est tout, tout le monde se barre. Mais il n'y avait pas une personne qui s'était barrée. Si, il y a des personnes qui sont barrées. Mais comment ils sont pas morts alors? Parce qu'ils ont pris la fuite en premier pendant que toi tu faisais diversion. Oui, non, mais pourquoi ils sont morts du coup? Parce que... Ah, les autres ils avaient pas encore gagné le 1, 2, 3 soleil. C'est parce que tu sais, c'était 1, 2, 3 soleil en fait. Ouais. Dès qu'ils ont le dos tourné, on bouge. Et dès qu'ils ont... qu'ils nous regardent, on bouge plus. Et malheureusement, il y en a qui étaient un peu lents. Ouais, pour une idée de merde. Ce choix, sauver Mike, allumer la lumière. Bah, vu que le plan c'est allumer la lumière, moi je suis sûr allumer la lumière. Oui! Non, parce que concrètement, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le sauver? Ah, bah, à part crever. Ah bon, à part dire. Oh! À moins que je jette un truc et que je bouge plus juste après. Et encore, le temps que tu bouges le truc, peut-être s'il te voit, si elle te voit la créature. C'est pas fou, hein. Ah, ouais. Ah, mais y'a ça. Et les totems, du coup, qui n'ont servi à rien. Si une fois pour une main qui sortait d'un mur. Une fois, genre les totems, ça a servi une fois. On les a jamais regardés. Bon, ça va. Ah putain. Les totems Buffalo Grill. Ah là là, et Man of Medan du coup. Ça va être magique. Little Hope, ça a l'air intéressant par contre. Je pense que c'est une prochaine fois. Ouais. Ah oui, oui, une prochaine fois, oui. Mais Little Hope, ça a l'air pas mal quand même. En gros, l'idée c'est, t'as une petite famille au tout début de l'histoire. La fille, elle est possédée par le diable. Enfin, il y a le diable à côté d'elle. Elle bute tous les membres de sa famille, c'est-à-dire qu'elle ferme la porte de la salle de bain où il y a sa mère. Son père, il est bourré sur le canapé. Bon. Il y en a deux qui sont coincés au premier étage. Et en fait, elle allume le gaz. Ah. Et en fait, elle laisse les flammes se répandre et tout. Et t'as le héros qui voit toute sa famille, tout le monde mourir et tout. Et après, c'est dans les années 70, hein. Arrivé au 21e siècle, un groupe scolaire part avec un camion scolaire, quoi. Il y a un accident parce qu'il y a une gamine qui a pas remis de l'autoroute, classique. Et ils se retrouvent dans Silent Hill. C'est une ville qui s'appelle Little Hope, il y a du brouillard partout. C'est Mist ou Silent Hill, hein, le machin. Comment il est arrivé en mode. Il a clippé en mode background, c'est ça? Je sais pas. Il a déraillé et il a fait un dérapage contrôlé, tu sais. Et le machin, il a fini en Silent Hill, c'est bon. Et en fait, là-bas, des fois, il y a une gamine quand elle apparaît et qu'elle t'attrape. Tu es envoyé un peu dans le passé et tu vois des versions de toi, enfin des ancêtres, a priori, des années du 18e siècle, 17e siècle, à l'époque de la chasse aux sorcières. Aux sorcières, mais cette fois de Little Hope. Et en fait, tu peux interagir avec ces gens. Mais c'est pas tout le monde qui te voit et qui t'entend. Donc par exemple, à un moment donné, j'ai touché le révérend, mais il y avait que la fille qui pouvait me voir. Et en fait, le révérend voyait rien. Il croyait que c'était de la sorcellerie. Ah bah, cramé tout. Hein. Oui, et du coup, c'est de là que ça peut venir, la chasse aux sorcières. C'est des voyageurs temporels, qu'on voit pas, qui bougent des trucs, et qui font que, bah, ouais, on croit à la sorcellerie, quoi. Mais l'idée est bonne, c'est intéressant au moins. Par contre, Man of Medan, c'est pété. Hein. Moi aussi, j'ai eu un choix de merde à un moment donné. Il y a un mec qui est mort à cause d'une connerie. Bah là, c'est... Bon, ouais, non, mais. C'est franchement... la moitié de mon équipe qui est crevée juste parce qu'il y a un choix de merde. Mais en fait, ils ont des problèmes avec les textes, hein, vraiment. Moi, c'est pas avec vrai. Les explications. Même dans Little Hope, hein, à un moment donné, c'est marqué. Oui, et finalement, c'était peut-être une bonne idée. C'est ça, c'est un choix de dialogue que je fais. Et après, il dit. C'était quoi déjà? Comment on fait pour arriver en ville? C'est quoi le rapport avec le choix que j'ai fait? Les dialogues écrits ne collent pas avec ce qu'ils disent au fond. Donc là, t'es en mode. Je fais quoi là? C'est.
C'est roulette russe. Mais franchement, Little Hope, je le ferai tout à l'heure, d'ailleurs je continuerai. C'est plutôt pas mal. Et l'idée qu'il y a, c'est que apparemment il y a une créature qui te poursuit en même temps dans la ville. Mais il y a personne dans la ville, hein. Il y a un black, c'est tout. Qui boit dans un bar à l'abandon. Toute la ville a été abandonnée. C'est une ville fantôme. Et le pire dans l'histoire, c'est que je me dis, mais pourquoi vous voulez constamment vous séparer? Vous voyez rien, c'est mist, il y a du brouillard partout, vous restez en groupe. Bah ouais. Arrêtez de vous séparer, bordel. C'est aussi là-dedans. T'as pas remarqué? Quand ils sont partis pour aller chercher Mike, et qu'il y a les trois autres qui ont fait demi-tour. C'est en mode... C'est vrai que ça, c'est vrai, ça. C'est complètement con. C'est en fait, je vais y aller tout seul. Vous retournez là-bas. C'est comme l'autre qui fait de l'escalade. Hein. Ouais, ouais. Elle les ramène pour les planter, pour les retrouver juste après. C'est ça. Ouais, ouais. En plus, les trois là, tu te dis, mais vous aviez un flingue en bas, non? Pourquoi vous êtes monté d'ailleurs? Fallait rester dans le sous-sol. C'était bien le sous-sol. Ouais, c'était bien, c'était sécurisé. Pas sécurisé. En tout cas, c'est plus sécurisé que le niveau d'au-dessus où il y a des fenêtres partout. Ouais. D'ailleurs, mais ça je ne fermais la porte et c'est bon, c'était fini. Je suis intimement persuadé qu'il a été charcuté, le jeu. La scène où le Wendigo saute contre la porte pour choper le couple de geeks là, coupé, il y a rien. C'est-à-dire que il y a pas de Wendigo dans le chalet à ce moment-là. Non. Donc tu comprends pas en fait. Ça peut déchirer des portes en métal, mais des portes IKEA achetées 30 balles au magasin, ça passe pas. Est-ce que t'arrives à dire le nom de la porte? Le nom de la porte? Parce qu'ils ont des noms, les meubles IKEA. Est-ce que t'es capable de le dire? C'est quoi? C'est des incantations pour repousser le mal, c'est ça? Ah, je pense que oui. Ah, oh, vas-y, ça... ah, va dans ça un meuble. C'est ça? Tu lis les trucs, tu dis, c'est quoi? C'est un sort? C'est une rune? Attends, vraiment, tu vois, tu crées le nom de meubles IKEA, je te jure, sur Internet. C'est attends, c'est vrai qu'il y a des noms qui sont chelous un peu. C'est improbable. Ah, putain. Mais bon, on est d'accord que. Globalement, Until Dawn, c'est un échec, hein, cinématographique, jeux vidéo, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est mal joué, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Genre, vous êtes en train de me dire que Josh, il a tout préparé à l'avance, mais il s'est jamais fait attaquer par le Wendigo. Le Wendigo, il s'en battait les couilles. Et vous allez me dire que l'armée... Il y a un site internet qui répertorie les noms. Attends. Ah, ça doit être génial. Ah, il doit y avoir des perles. Ivangard Cambrax. Ouais, c'est des incantations sataniques. Ivla Magnumson. C'est des incantations. Oulala. C'est des incantations pour invoquer le diable. Alors, l'étagère Kalax, ça veut dire la fête. Kalax. Fajalbo Ejne. La chaise mammouth, le mammouth. Fajalbo, ça veut dire étagère. Ok, d'accord. Ouais. Caralbi à Fajal. Il y a même un tapis qui s'appelle cannabis. Regarde, j'égonne pas. Regarde, en peine cannabis. Ah putain, fallait appeler des Suédois en fait pour combattre les Wendigo. Je suis sûr, le chalet il est en meuble IKEA et tout en bois IKEA. Vous inquiétez pas, ça repousse le mal. Vous êtes sûr? 100% prouvé. Ah putain, il y a des noms. Porte, ça se dit Bjorn Kovinken. C'est quoi ça? C'est un nom de famille viking? Ah putain. C'est horrible. Genre, la banlieue, ça se dit Malm. C'est le lit Malm. Donc quand tu dis que tu vas dans la banlieue, tu vas dans le Malm. Oulala. Ah putain. Oulala. Oh là là, il y a des trucs. Il y a un mec qui a dit, comment on retrouve le nom de son public? Bonne chance. Ah non, mais là ça doit être magique. Bon, du coup, bah là si tu veux, demain on peut même commencer le tournage si tu veux. Hein. À moins le nombre de blagues hallucinantes. Ou si on bosse vite fait le script et on peut commencer. Hein. Ouais, bouger, moi. Hein non, ouais. Oui, non, mais je sais. Non, mais si tu veux, demain par contre on peut commencer. Non, je sais pas où on verra. Bah, au moins voir un peu le script déjà. Franchement, ça va être ultra simple. Hein. Nous le faisons en version accélérée. C'est... Ils ont fait la moitié d'un jeu, la moitié d'un scénario. La moitié d'un gameplay, on va faire la moitié du taf. Pas de fond vert et le reste on s'en branle. On servira de l'éclairage. Non mais l'éclairage. Mais ça peut. Franchement c'est hallucinant. Ah tiens, bah du coup on arrête le live. Bon, conclusion, le jeu. Franchement les 15 sur 20, moi je le cherche le 15 sur 20. C'est-à-dire moi je veux bien que ce machin ait un 11 à la limite, parce que voilà. Moi je mettrais 12,5.
Ah, tu pars carrément sur des nombres décimaux. Ah, moi je lui mets 11 parce qu'au moins ils ont essayé. Tu sais, tu dis au moins ils ont essayé le truc. Non, il y a des qualités. Oui, c'est par beau, exemple, c'est joli. Par exemple, le choix d'avoir exploité le Wendigo, les animations sont pas mal. Il y a pas la vallée dérangeante. Le petit détail, tu vois. Hop, le petit détail quand ils vont dans l'offrande. Ouais, rien que ça. Ça c'est le petit détail. Ouais. Mais on est d'accord, les choix de dialogue ils sont pétés ou d'action. C'est pété. Je sais pas comment j'ai fait pour les maintenir en vie jusqu'à la fin. Ah ouais, non, mais là c'est un miracle. Ah oui, d'ailleurs, nous normalement ils auraient dû crever depuis longtemps, vraiment. C'est vraiment sur une erreur de merde. Bah, je suis désolé, hein, mais bon. Ah, une erreur du perfect. En plus, comment ils savent qu'il y a de la lumière? Parce qu'ils l'ont jamais allumé. Bah, au début, on a essayé d'allumer la lumière, il n'y en avait pas. Ouais, donc en fait, comment ils ont su, les mecs? Tu sais, ils se sont dit. Bah, on a remis le courant. Ouais, mais pourquoi plus personne a allumé la lumière alors? Bah, on avait remis le courant, mais on n'a pas réutilisé, je crois, le courant. Oui? Après, il y a eu des. Au lieu de prendre ta douche dans le noir, là, ton bain, là, allume la lumière! Bah, elle avait mis des bougies. Mais même, tu vois que dalle, même avec des bougies, tu vois pas grand chose. Ouais, c'est vrai. Et même, par exemple, quand Josh se fait kidnapper, enfin, le soi-disant kidnappé, et que les deux maîtres du Ouija, là, ils descendent, moi, j'allume les lumières pendant tout le trajet. Ah oui, du coup, le Ouija, c'est toujours pas d'explication, ça sent ouf. Alors, le Ouija, il y a deux possibilités pour moi. Soit c'était vraiment du mécanique, c'était Josh, parce qu'il avait plein de mécaniques partout planquées. Soit. Josh avait fait le Ouija? Ouais, il était là. Ah bon, bah alors oui, ouais. Bah, voilà, c'est lui. C'est possible, ou alors c'est vraiment le Wendigo. Non. Parce que pour moi, le psy, c'est le Wendigo. Oui. Il est dans sa tête, il le met face à ses trucs et tout. En fait, moi, la théorie, c'est qu'il attend de voir, quand il vient le voir la dernière fois là, qu'il a traversé la ligne. Que là, il est sûr qu'il reviendra pas en arrière. Qui va devenir un Wendigo à son tour. Parce qu'il dit, tu vois, c'est, regardez ce que vous avez fait. Dans la séance d'avant, il lui disait, regarde ce que t'as fait. Mais qui, du coup? Josh? Ouais. Le chasseur? Non, mais avant. Il a mangé personne. Mais pourquoi il devenait taré? Parce qu'il a été en. Ah, c'est le Wendigo dans son esprit qui le torturait. Mais c'est pas normalement quand tu manges quelqu'un que. Non, le Wendigo, il te torture psychologiquement. Avant? Oui, avant. Pour ça, je me dis que c'est lui qui est à l'origine de tout ce bordel. Il a fait en sorte de faire. De marquer Matt. Josh plutôt lui dire tu vois c'est à cause d'eux qu'ils sont morts tes sœurs. C'est à cause d'eux. Et du coup ça l'a travaillé. Il a arrêté ses médicaments aussi, il avait un traitement. Et du coup le Wendigo lui ça l'a arrangé. Que Josh invite tout le monde dans la montagne. Ça fait plus de bouffe. Ça fait plus de bouffe hein. Du coup il les a invités. Et le Wendigo il a juste attendu que Josh aille si loin qu'il puisse pas revenir en arrière. C'est comme c'est Anna ou Bess qui a bouffé l'une ou l'autre? Je crois que c'est Anna qui a bouffé Bess. C'est voilà. Enfin, il y a une des deux indiennes qui a bouffé l'autre. Je sais pas si c'est laquelle. Pareil au même. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, quand tu lis son journal, déjà je sais pas avec quoi elle a écrit. Hein. Déjà, je sais pas comment elle trouve un journal dans une boîte. C'est du charbon, on va dire. Allez, ouais, allez, pourquoi pas. On va remarquer que c'est une exploitation minière. Hein. Donc voilà, ça va. Ouais, voilà. Elle écrit au début et elle arrête pas de dire qu'elle est tentée psychologiquement en fait. Elle en peut plus, évidemment. Ah bah ça fait 3 jours que t'as pas bouffé, je te garantis. À mon avis, elle devait aussi entendre des voix. Bah oui. Le Wendigo a dû la torturer à mort. Et elle a fini par bouffer sa sœur. Et Josh, c'est pareil. Mais l'idée était bonne. Moi, je trouve que l'idée du scénar est pas mauvaise. De base. Mais à la base, ils auraient dû partir arriver de jour déjà. Et au fur et à mesure que la nuit arrive, il y a des trucs surnaturels qui ont lieu. Parce que là. Oui, ça durait qu'une nuit au final. Oui, voilà. Ça aurait été mieux si ça s'était étalé, tu vois, sur genre, ils arrivent l'après-midi, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la nuit, il se passe des trucs chelous. Du coup, ça expliquerait qu'ils soient partis dans un autre chalet pour baiser, parce que s'ils partent deux jours, il n'y a rien à craindre. Tu pars pas de nuit pour aller dans un chalet à l'autre bout de la montagne. Du coup, l'hélicoptère, comment il fait? Je sais pas, j'ai arrêté dessus, mais moi, je vais arrêter d'essayer de comprendre. C'est. Bon, c'est pas grave, vas-y, moi je vais. Ouais, non, mais voilà, mais le jeu, dans son. L'idée de base d'exploiter les Wendigo, c'était sympa. Et bien vu. L'idée d'un sanatorium, d'une histoire de mineurs qui ont du coup tous se sont entretués, se sont bouffés les uns les autres, c'était pas mal. L'idée de la créature, comment elle est présentée. Parce qu'on présente jamais le Wendigo de cette manière d'habitude. C'est une créature avec un crâne de cerf sur la tête. Elle est un peu lourde. Souvent on dit que c'est un géant des glaces. Alors que là, il est étiré, fin, long, rapide. Il craint que le feu, ce qui est logique parce que c'est un esprit des glaces. Ça va, hein. Franchement, moi, je trouve ça va. En fait, l'idée de base était bonne. Mais en fait, les mecs qui sont à la réalisation au scénario, ils sont niqués de la tête.
Les choix de dialogue n'ont aucun sens. Les actions n'ont aucun sens. J'arrive à un stade. Moi, j'en suis encore à ça. Hein. Pourquoi tu vas baiser à 23h de l'autre côté de la montagne? Ou encore l'autre avec sa fusée de détresse. Il y a personne. Après, dans la panique, tu te dis qu'une personne qui est complètement paniquée, qui ne sait pas ce qu'elle fait. Oui, mais son mec aurait pu dire non, attends. Oh non, là où l'autre personne ne relève pas le machin. Ça sert à rien. Parce que si on va pas me sortir que les secours sont arrivés grâce à la fusée, c'est grâce au message. Oui. Donc la fusée, là, personne l'a vue. Après, j'accepte dans le sens où dans la panique, tu le fais. Oh, ouais. Je peux comprendre. Même si ça ne sert à rien, quand t'es dans une situation désespérée, tu peux faire des choses débiles. Ouais. Et le téléphone? On l'a retapé, ça. Non, mais... Le Wendigo, il a la chair complètement charnue. Comment tu utilises un téléphone pour mettre la musique? Ah oui, non, ça, c'est... Les doigts glacés, ça marche pas. C'est le mec. Je vais mettre... Ah, cette musique-là, elle aime bien. Allez. Allez, tiens, prends ça. Et non, ça passe les portes vitrées. Vu que ça a pété la porte vitrée du petit chalet. Ils l'ont payé, bah... Elle l'a défenestré, elle l'a arraché du truc. Ah, même la nana, elle a pété une porte avec un caillou. Donc. Oui, mais du coup, le Wendigo qui a sauté contre la porte à un moment donné. Ah non, mais c'est pas... La porte, elle vole en éclats. Non, mais t'as pas compris, c'est une porte en bois. C'est une porte Ikea, c'est ça? L'autre était pas Ikea. C'était du Carrefour. Non, c'est du Casco. C'est... Ils l'ont acheté à Action, tu sais. Ah oui, bah écoute, quand t'achètes des portes à Jiffy, c'est pas pour... Ouais, voilà, c'est pas la même qualité, quoi. Non, mais sérieux, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont pas cohérents avec leur propre truc. La créature est ultra rapide, mais elle prend des pauses, hein, histoire de laisser le temps aux héros de s'en sortir, alors qu'en vrai, ils auraient dû mourir, il y a un bail. La façon qu'elle a d'agir a aucun sens. Il y a des trucs, tu te dis, pourquoi elle a pas jeté une pierre par la fenêtre pour les attirer? T'es obligé de jeter le téléphone? Et en plus, comment t'as vu le téléphone? Il bouge pas, le téléphone. Bah, si elle l'entend. Ah bah donc elle a un oui. Je pense, bah oui. Bah donc, Mike, quand il parlait dans le sanatorium, ferme ta gueule. Quand il était accroupi. Je t'ai dit, c'est pas cohérent avec leur truc. T'as l'impression vraiment, il y a un mec qui a débarqué, comme ça, hein, qui a dit on change complètement d'idée. Et ils ont gardé des anciennes idées sans faire exprès. D'ailleurs, accessoirement, la Director's Cut, hein, qui rajoute juste c'est un petit DLC qui permet d'aller chercher les culottes. On l'a fait. Ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup de l'enlever du jeu, hein, et de le mettre que dans l'édition. Hein. Ça coûte, je crois que. Non, il n'était pas disponible au début. Je crois qu'ils l'ont mis au bout d'un an. Mais ceux qui avaient l'édition limitée, enfin une édition spéciale, ils avaient cette scène-là. Ça vaut rien. Ça n'a rien. Ça n'a rien changé à l'histoire. Ça n'apporte rien. Que dalle. Nada, niet. Normal. Man of Medan, ça a l'air d'être un démarrage foiré. Par contre, Little Hope, on va voir. Bon, écoutez, on s'arrête là, on a suffisamment parlé. Globalement, le jeu, moi, c'est 11, lui, c'est 12,5. On n'est pas loin. Mais pour moi, c'est un foirage raté. Ah non, quoique, je vais mettre un petit 8,6. Pourquoi? T'es redescendu en dessous de moi? Non, finalement, non. Parce que finalement, ils sont cons. Ils sont cons de A à Z. Oui, mais tous! Même les mecs qui ont fait le jeu! Ouais, non, c'est. Non, 8-6. 8-6. Je t'ai dit, hein, c'est. Mort, si blessé. Ouais, voilà! Non, c'est bon. C'est non. En plus, non, à cause d'une erreur à la con, tu sais. C'est vraiment. Allumer la lumière, la moitié est morte. J'ai fait un perfect jusqu'à la fin et on finit comme ça. Et en plus, on s'est cassé le cul pour les garder en vie, hein! Bah oui! Jusqu'au bout, on les a gardés en vie. Le dernier QTE, tu tueras tout. C'est ça. Ah, c'est ça. Et puis en plus, bon, non. Ouais, non. T'es en France, t'es en finale. Et, ouais, voilà. Et tu perds à la 96ème minute. Parce qu'il y a un arbitre, tu vois, après que t'aies marqué le but et que le match est repris, il t'annule ton but. Ça rappelle un truc, ça. Ah bah, ouais. Le but de. C'était qui déjà? C'est Griezmann. Il marque un but, le match reprend après, engagement et tout, et l'arbitre, finalement, j'annule le but. Quoi? Oui, contre la Tunisie. Oui. Wow, c'était de la merde, ça. Ça marche pas comme ça. Dès que la partie est reprise, c'est fini. Mais tu peux plus contester. Du monde, tu l'as vu ou pas? Non. Mais l'arbitrage, ils étaient aux fraises. Ah bah oui, il y avait même Meghan Markle. Tous les matchs, ils étaient nuls. Ouais. Il n'y avait pas un match qui questionnait leur. Ils étaient compétents, mais vraiment. Mais je me faisais rentrer. Moi, je suis un meilleur arbitre que c'est quiche. Mais en même temps, les meilleurs. C'était pas compliqué d'être meilleur arbitre. Mais attends. Parce qu'il faut que je te montre celle-là. Elle est où? Ah oui, Meghan Markle. Elle est magnifique. Regardez Mehdi donc sur Insta. Ok, 2 heures me suivent. Donc maintenant tu vas rentrer.
Il y a Meghan Markle. Oh, là. T'as pas marqué? Regarde. Ah ouais, toi. Ok, en plus ça fait non pas un an qu'on attend que tu pètes, mais 12 ans, ok, 12 ans, monsieur. Donc maintenant tu vas... Les Allemands, ça rigole pas. Meghan Markle. C'est vraiment, ça doit être la crise, hein. Parce que là, elle a tout pompé à son prince. Maintenant, elle va jouer arbitre pour la Coupe du Monde. Vous savez comment fonctionnent les règles? Non, mais c'est pas grave, y'a pas besoin de connaître les règles apparemment pour cette Coupe du Monde. Ah putain. Même si c'était shonen. Ah, c'est Shonen, ouais, Japon, Blue Lock, le projet Blue Lock là. Le Japon c'était pas mal. Mais même la Corée, tu sais. Maroc. Genre les mecs ils sont revenus. Le Maroc. Ah, le Maroc aussi. Par contre, c'est vraiment des. Vraiment. C'est ça a redéfini le sens du mot seum, hein, les Marocains. Quoi? Après la défaite. Je croyais que les Anglais c'était les rois du seum. Mais alors eux, vous voulez pas qu'on aille en finale parce qu'on est Marocains, c'est ça? C'est quoi le rapport? Le match, la Coupe du Monde elle est au Qatar, imbécile. S'il y en a bien qui sont favorisés, ça doit. A priori, c'est vous, hein. Non. Bah, si, le Qatar c'est corrompu à fond comme pays. Ouais, mais bon. Tu vas me dire ouais, qu'il n'y a pas quelques millions qui ont été glissés dans les poches de certains arbitres. C'est vrai que quand tu vois certains matchs, tu te poses des questions. T'as pas remarqué tous les hommes politiques là qui sont en... Il y a une enquête qui a été menée pour corruption de la part des Qataris. Ah ouais, la liste elle est longue, hein. Français, anglais, allemands, c'est tous ils sont passés. On accepte l'échec, on accepte aussi le liquide. Ah non, 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 non. C'est les mecs qui ont fait la Coupe du Monde et qui ont fait le jeu, ça doit être la même team à mon avis. Hein. C'est... Ils se sont dit... Après, je sais pas, parce que d'un côté, tu... Tu vois, tu choisis pas quand tu marques un but, donc... Oui. C'est ça. Et puis en plus, refuser un but après l'engagement, c'est contre les règles, littéralement. Genre, l'arbitre aurait dû être sanctionné. Genre, donner un carton rouge à l'arbitre. Mais non, tu sors, toi. Je suis allé ça parce que c'est une blague, ça c'était une blague quand je faisais l'arbitrage à un moment donné. T'as un match de foot. Au lycée, c'est une anecdote de merde. En gros, il y avait un match de foot et on était deux arbitres, un de chaque côté du terrain. Et il y en a un qui sort un carton jaune où il n'y a pas du tout faute, mais pas du tout. Genre, c'est littéralement le joueur qui s'en est pris plein la gueule et c'est lui qui a un carton jaune. T'imagines, tu te fais tacler, tu te prends un carton jaune. Et c'est une erreur d'arbitrage. Non, non, moi j'ai sorti le rouge, j'ai dit, toi tu sors, vous me le changez. Le mec il s'est fait tacler, c'est lui qui se prend un carton. Attendez, c'est non, non. Bon, conclusion, ce jeu là, si vous le trouvez à 5 balles, c'est bien. Sinon, nous on va avoir beaucoup de blagues visiblement en préparation. Moi j'en ai plein, hein. Ouais, j'en ai plein. Hein. C'est vraiment, c'est limite, je suis à ça de commander un déguisement d'arbitre. Et quand il y a une erreur grave, fatale, carton rouge. Ça marche pas comme ça. Ah, pour une faute, mais limite, je crois que c'est plus traumatisant quand t'es à fond dans le jeu. C'est plus traumatisant que le coup de boule de Zidane en Coupe du Monde. Ah, l'erreur fatale. Non, pas toi, Zinedine. Ah bon? Ah, moi je croyais prendre la suite de Deschamps. Bon. Enfin bon, voilà. Moi, je bosserai un peu ce soir et on verra peut-être un peu pour la réalisation et tout. De toute manière, je te contacterai. Mmh. Et au pire, si tu veux, demain, on peut au moins voir le scénar. Vas-y. Ouais. Allez, passez une bonne soirée. Ah, ce jeu.